Évidemment, par l'information de la matinée, un TGV reliant Strasbourg à Paris a déraillé ce matin au nord de Strasbourg. Vous voyez la carte qui vous indique le trajet du TGV. Le conducteur du train est blessé en urgence absolue. Il doit être évacué par hélicoptère. On dénombre 21 blessés en tout. 20 autres blessés sont en urgence relative. Il s'agit évidemment du TGV que vous voyez à l'image. Des passagers sont toujours à bord. D'autres ont pu être évacués. On va rejoindre, nous avons pu joindre l'un des passagers de ce train. Alors on était donc dans le train Strasbourg-Paris de 7h19, à peu près un quart d'heure après avoir quitté la gare. Il y a eu un énorme choc et on a sauté. Moi personnellement je suis dans la première voiture du train, donc juste après la locomotive. Et on a sauté, on a tapé des supports, des bagages qui sont au-dessus de nos têtes. Puis on est retombé. Là, on a mis, je sais pas, une quinzaine, une vingtaine de secondes à s'arrêter complètement. Heureusement, la locomotive n'est pas sortie des voies, donc nous non plus. Enfin, on a déraillé, mais on est toujours debout. Donc voilà.